trop jeune et trop attirant pour mourir. Il n'y a pas d'échappatoire à l'amusement dont vous profiterez à la fête d'anniversaire des 6 ans de Princesse Plénosade. Oh, j'adore les anniversaires. J'en ai un chaque année. Il y aura une fontaine à crème glacée pour vous servir à volonté. Ouais. Une piste de roller anti-gravitationnelle. Wouhou. Et on dansera sous les étoiles avec tous les célibataires les plus en vue de Townsville. Ouh, alors ça me plaît. Tous les gens qui comptent à Townsville seront présents. Il y aura une machine à barbe à papa géante. Quoi? Et un atelier construire son tank. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, c'est génial, je viens d'être invité à la fête d'anniversaire de Princesse Plenosas. Il va y avoir une machine à cappuccino avec distillation de molécules ioniques et des injecteurs de mousse à propane double. Ça combine deux des choses que je préfère, le café et la science. Oh, je n'ai pas reçu d'invitation. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt la recevoir. Oui, elle a quasiment invité toute la ville. Oui, j'ai quand même hâte de recevoir aussi mon invitation. Votre attention, chers citoyens de Townsville. Toutes les invitations à ma super fête d'anniversaire de mes 6 ans sont officiellement parties. Ce qui veut dire que si tu n'as pas reçu la tienne, Belle, c'est que tu n'es pas invitée, Belle. Au revoir, Belle. Au revoir. Quelle adorable jeune fille. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Attendez, vous n'allez pas aller à cette fête quand même. Elle a clairement invité tout le monde sauf moi, juste pour me narguer. T'es sûre de pas avoir fait quelque chose comme mériter de ne pas être invitée? Quoi? Je suis toujours tellement gentille avec Plenosas, même si c'est un horrible, horrible monstre. Tu as raison, Belle. Si on n'est pas invité en tant que famille, aucun de nous ne devrait y aller. Quoi? Merci, c'est gentil. Oui, c'est la seule chose à faire. Même si c'est le plus parfait de tous les cappuccinos dans l'histoire de la science. On n'a pas besoin de la fête de Plenosas pour passer du bon temps. On va faire notre propre fête juste ici à la maison. Wouhou! Je viens d'atteindre la tranche d'imposition supérieure. Bulle, tu me dois 50 000 $. Oh! Oh, allez, ce soir on passe du temps en famille. Je sais de quoi manque cette fête, de trucs à grignoter. Que diriez-vous de biscuits sans sel et d'un peu d'eau tiède avec une rondelle de citron? Belle, laisse tomber. Pourquoi tu nous laisses pas aller? Au salon, pour regarder la télé? Ça, c'est une idée géniale. Bien le bonsoir, nous sommes en direct avec vous pour un flash spécial. La fête d'anniversaire des 6 ans de Plenosas est la plus géniale qu'on ait jamais vue. Voici la limace. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Elle semble courir à toute vitesse. Elle est souvent décrite comme le plus ennuyeux de tous les animaux. Mais pas quand elle est à la fête de Princesse Plenosas. La limace fait la fête. D'accord, plus de télé. On va juste rester assis là et se regarder les uns les autres comme une famille. On commence à être un peu à court d'eau tiède. Je vais aller en chercher au magasin. C'est pas la peine, professeur, je vais en prendre au robinet. Ce cappuccino est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Comment il a osé? C'est un traître. T'en fais pas, Belle. Je vais aller là-bas et lui dire franchement ce que je pense. Merci beaucoup, Rebelle. Je pense que je le trouverai. Bulle, tu vas rester avec moi, non? On s'amuse bien, non? 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 Bien sûr. Oh, non, Belle, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Bulle, je ne vais pas me retourner. Oh, d'accord. Bon. Il faut que je parte. Une machine à barbe à papa géante! C'est comme flotter sur un nuage! Je sais, oui! C'est pas génial, ça! Oh, je me sens super mal pour celle que je n'ai pas invitée! La pauvre Belle!